Salut YouTube, on part sur du Ori. Dès que le jeu, bien sûr, accepte de charger. C'est parti. C'est parti pour beaucoup de plaisir. On va continuer notre aventure. Bon, si je m'en sors avec mes câbles. Ok. C'est parti pour l'aventure. Je sais plus où on était hier. On devait aller au moulin pour le débloquer. Oh, quel balmezac. Je me souviens que j'avais baissé le son du jeu hier un peu. Parce que c'était trop fort. C'est trop fort. Il est trop fort. Ouais. Ok. Eh ben, let's go. Appuyons sur... Pardon. Appuyons sur O pour entrer. Zamashulkana. Allez, Kenavo. Alors, où en sommes-nous pendant ce temps-là au Parti communiste? D'accord. Donc on peut aller à gauche, on peut aller à droite. Très bien. Je pense que le but pour l'instant c'est d'aller à droite. Oh! Ah d'accord, il s'agissait de faire ça. Il s'agissait d'éclater le gros furoncle. Oh, c'est rapide. Ça va vite. Ah oui d'accord, ça me fait aller plus loin. Ok, ça me donne de l'élan en fait. Très bien. Très bien. J'avais pas compris ça. Ok, donc là le but c'est d'aller en haut. Hop, let's go. Ok, très bien. Alors c'est quand même bien fait. Bon, de manière très claire pour l'instant on peut pas aller là. Ok. Oh, des gros lasers. Aïe aïe aïe. Descends, descends de là, Michel. Qu'est-ce que c'est, épine? Tu as obtenu un fragment spirituel à un ennemi qui te touche. Ouais, ok, c'est l'armure d'épine, quoi. La classique. Ouh, c'était juste. Aïe, 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 aïe. Ça aussi, c'était juste. Mais y a rien là, en fait. Ok, très bien, j'ai cru que c'était une plateforme. Mais non, il n'en est rien. Ok, donc pour l'instant là-bas ça me paraît compromis. Let's go, continuons notre épopée. Ok, on va se healer un petit peu parce que peut-être pas déconner non plus quoi. Quoi? À quoi je me suis accroché? J'ai pas compris. Il dit qu'il a pas compris. Ah, encore un furoncle. Très bien. Merci le furoncle, merci à toi. Non, 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 c'est un échec, c'est pas par là qu'il fallait aller. Pas du tout. Beaucoup de bruit dans cette maison quand même. C'est les bruits de la maison. Les fameux. Attendez, est-ce qu'il y a un truc là en bas? Non, pas pour l'instant en tout cas. Ça viendra je pense, mais... Là non plus. Eh bien, il n'y a plus qu'une chose à faire. Se propulser. Tel un missile. Est-ce que... Non, on peut pas marcher là-bas dessus. Oh, ça fait du dégât. Oh ça aussi, c'est la merde. Je vais crever comme un caca.
Bon, allez, c'est parti pour se soigner. Hein. Mauvais timing. Mauvais timing. Bad timing. Bon, moi, je suis full life. C'est déjà ça, disons. On n'a qu'à dire que c'est bon. On n'a qu'à dire que j'ai pas fait de la merde. Putain. Je failli y passer, là. Je failli décéder. On pouvait pas faire des trucs là, faire des petits sauts, des sauts mignons. Apparemment pas. Des sauts mignons. Oula. Ah oui, c'est vrai, je suis con, j'ai un arc. Là, je ne peux pas. D'accord, très bien. Ok, je pouvais. Mais pas toujours. C'est quoi ce truc là? Je vois un gros machin, j'ai vu une grosse bête. Oh LED. Qu'est-ce qu'il veut? Tu vas me lancer des trucs? Qu'est-ce que tu veux? T'es qui? T'étais qui? Ah, t'es plus personne apparemment. T'as jamais été personne pour moi de toute façon. De toute façon, t'as été adopté. Personne ne t'aime. Je suis pas méchant dans la vie en vrai. Alors là-bas pour l'instant, c'est Mour. On va se projeter. Oh non, des moustiques. Les pires créatures de ce monde. Ok, donc on peut aller là-bas. Il y a quelque chose qui me chiffonne. On n'a pas fini par là-bas. J'aimerais quand même y aller. Et là, c'était clairement sûr qu'il y avait un truc. C'est parti pour l'argent. Quelque chose en haut, là, vous croyez ? Que dalle. Really que dalle. Et merde. Bon. C'est dramatique mais ça va. C'est dramatique mais on s'en sort. Ah bah là je peux juste pas descendre en fait. À moins... que si je m'accroche à cette cordelette. Mon cul. Ça fait un peu peur. Ça fait un peu chaud dans les fesses. Ok. Encore du minerai de mon fion qui sert à que dalle. Minerai gourlek. Le gourlek. Comment je m'en vais moi d'ici? Comme ça? Ok, c'est bien ça. Tout simplement. Bon bah, ce sera un 100%. Non, faut que je remonte. Vite. Mais, c'est pas possible d'être aussi mauvais quand même. Hop. Oh là, quel talent. Quel talent. Oh, l'opar. Incroyable. Ah bah oui, bien sûr. Je pense que je pouvais pas mieux viser que ça en vrai. Ok donc là, ah oui d'accord mais l'opard mais c'est pas pour autant qu'on est sorti de l'auberge quoi je veux dire. Oh quel enfer. Quel enfer. Bâtard, un petit bâtard. À l'aide. Non, mais... Oui, bah oui, forcément, on fait des trucs un peu... On essaie des choses, quoi. Ça se passe pas toujours bien. Attendez, mais il y a un nid. Il y a un nid là-haut. Attendez, il va falloir que je fasse un truc. On va enlever ça, on va mettre... le tir multiple à la place. Non mais non, arrête de faire ça. Putain.
Ah bah c'était pas gagné hein. Ok. Pourquoi faire ? C'est ce qu'on appelle jongler avec habileté. Oui, donc ça veut dire qu'il faut que je fasse ça et qu'ensuite je me dépêche d'aller en haut. C'est bien cela qu'on essaie de me dire. Ok, let's go. Je sens que je vais pas y arriver parce que je suis bien trop lent. Non, ça va. C'est bon, c'est bon. Ça passe. J'ai plus d'énergie par contre. Ça, c'est chiant. Oh, l'enfer. L'enfer, l'enfer, l'enfer. Ok. Comment je... Ah. Peut-être en m'accrochant au mur. Exactement. Quel talent. Ah mais tout ça pour ça. Tout ça pour... Tout ça pour ça. Très bien, je suis content d'être venu en tout cas. Hein. Je suis content d'avoir dépensé toute mon énergie pour ça. Vraiment, ça me fait plaisir. Comment ça j'ai raté? J'ai raté. C'est vrai que j'ai peut-être un peu gaspillé mon mana en jouant à l'arc comme mon golo. On va essayer d'aller en haut. C'est quoi ce machin qui bouge là-bas? Ça ne me... J'ai pas confiance. J'ai pas confiance. Oh, mais ça fait peur ce con. Ouais, dégage. L'arc, ça m'est cher quand même. Hein. Je pense que si on arrive à booster un peu les dégâts... Ce sera bon plan. Oh putain. Oh il s'est pris des pics. Ah bah c'est dommage. Ok. De la vie. On aime bien la vie. La vie, la vie là. C'est quoi ça? Fermé ici? Pourquoi fermé? Ça dégage. Hop. Bon bah descendons. C'est pas comme si on avait beaucoup le choix de toute façon. Arbre magique. Et un nouveau pouvoir. Grappin. Voilà, parfait. LB. Oh, encore des nouveaux boutons. Oh. Oui, mais ça marche. C'est magique. Oui, non. Oh, c'est trop bien. Oh, c'est tellement smooth. Oh, ça me plaît beaucoup. Ah bah, du coup, ça me libère moult nouveaux passages. Et hop. Et hop, the door is opened. C'est pas beau, ça. Du coup, il y a tout un passage en bas qui m'est bloqué. Ça m'agace. C'est pas que ça m'énerve, c'est juste que ça m'agace un petit peu. Bon, tant pis, on verra plus tard. Pire des cas, on rentrera. Oh, il y a Gourlek, je sais plus comment il s'appelle, Michel. Donc. Non, dis-moi ce papier que tu as, c'est con, qu'est-ce que c'est? Skork. On serait net, ce pointillé, ce Gourlek, mais c'est une carte trésor. Oh, tiens, je te l'échange comme mon sac d'aventurier. Quelque chose me dit que je vais avoir besoin d'un plus gros sac. C'est toi le sac.
Ok, bah j'ai un sac d'aventurier. Ah, mais c'est une quête à la Zelda, ça. Je reconnais ça. Je reconnais le genre de quête où tu dois filer des objets à des gens. Qui te filent des objets que tu devras donner à des gens. Puis à des gens, puis à des gens. C'est du Zelda, ça a tout craché. Voilà, ça fait tellement smooth les déplacements. Ouch! Il m'emmerde. Allez, dégage. Je sais pas où je vais. Oh, du minerai gourlek. Oh, ok. Non. Oh là-bas. Oh, c'est infini. C'est beaucoup trop haut pour moi par contre ça. Je sais pas ce que j'ai refait mais ça passe hein. Oh non, putain, ça a failli être l'accident. Un gros minerai gourlek. Je suis vraiment très content de voir du minerai gourlek partout, c'est un plaisir. Hein. Vraiment, en plus ce qui est bien c'est que je sais vraiment exactement quoi en faire. Et merde. Ah non, c'est pas le décès. Ça aurait pu, hein, ça aurait pu être très vite le décès. Un décès très désagréable, mais ça va. Ok. Bon, on va visiter un peu du coup. Hein. On a quoi? On a une entrée. Encore une. On l'avait déjà faite celle-là? Je sais plus. Allez, attendez, on va regarder. Je crois pas que je sois rentré par là avant. Non, c'était une nouvelle entrée. Oh, il y a un mock. Il y a un Moki. Parle-moi, Moki. L'exploration est aussi plus dure que je croyais, surtout sans sac pour porter. Ah, oh, mais c'est un gros sac que tu as là, je peux l'avoir? Oh, merci. Tiens, je te donne mon sac d'herbe en échange. Il est vieux, mais les herbes qu'il contient sont fraîches, très fraîches. Et toi, t'es fraîche. Oh, quel gros sac. Oh, le gros sac d'herbe. T'es qui, toi? À l'aide. Ok, pas ok, pas ok. C'est infernal cet endroit. Ok. Ah donc là je suis derrière le mur. Enfin je suis derrière un mur. Oh une grande roue. Oh des portes qui se ferment. Oh non. Combattre! C'est bête, hein. Lui, j'arrive jamais à. Quoi? Oh oui, c'est gros man. Allez, dégage. C'est vrai qu'au contact ils font des dégâts ces cons là aussi. Merci. Merci pour votre aide. Oh, y'a un singe. Oh, ce moulin devrait aller bien. C'est pas le moment de traîner, la route est encore longue. J'en ai des connaissances à découvrir. Et toi, t'as un moulin à décoincer. Et une amie à trouver, si j'ai bien compris. Bonne chance. Il n'y a pas de minute à perdre. Merci l'ami singe. Tu es bien bon. Oula. Oh, ça tourne beaucoup quand même ce moulin. Mais c'est un moulin à quoi exactement? Il faisait pas de la farine quand même là-dedans parce que ça.
C'est un peu... c'est un peu grand pour de la farine comme même. Je suis con, j'aurais dû faire ça après. Alors il faisait de la très grande farine. Qui suis-je pour le dire? Je suis de retour. Oui, sinon j'avais pas encore vu cet endroit. Oula, on peut pas monter ici. Oh mon dieu. Ça sent un peu l'enfer. Je sens une, comme une odeur d'enfer. Ah oui, c'est vrai que j'ai ça maintenant. Alors. Qu'est-ce qu'il y a là en bas? Mais non mais... Mais descends Michel. Ok. Donc là il faut, je suppose qu'on ait activé ça. Ça va tout... Oh, ça va faire retourner tout le bordel. Oh, c'est incroyable. Oh, je sens que ce niveau va être infini. Y'a quoi par là? J'étais déjà? Oui. C'est là que je viens. Y'a quelque chose là? Y'a rien, sérieux? Je me suis fait ouned. Je suis mort pour rien. Quelle triste vie. Quelle triste vie. Tout ça parce que j'ai grid et je croyais qu'il y avait des trucs. C'est pas beau. C'est pas beau la grid, hein. Ah oui mais non. Et bah oui, c'est pas comme ça qu'il fallait passer Michel. C'est un peu con quand même hein. Bien sûr je me parle à moi-même. N'ayez crainte, je n'insulte pas les petits animaux. Alors, faut aller là-haut. C'est parti. Et c'est parti. Et ça tourne et ça retourne. Ah, peut-être que je vais pouvoir sortir de cet enfer maintenant. Même si apparemment rien n'est sûr. Tourne et retourne, hein, comme dirait l'autre. Aïe, je me le prends quand même, c'est incroyable. Quel manque de talent exceptionnel. Oh mais sérieux. Ok. Il pique. Il pique dur, c'est pique quand même. Attendez, mais il faut que j'aille où? Je sais plus. J'ai déjà plus, je suis perdu. Je suis perdu. Oh non. Ok, il y a un truc pour s'accrocher en bas. Mais quoi? Mais pourquoi tu t'accroches pas, Michel? Je suis où là? Oh! Un secret. Secrecy. J'avais l'impression qu'il y avait un truc là-bas. Mais reste accroché. C'est pas compliqué comme même de rester accroché. Ça fait quoi si je me propulse là-haut? Je pense que ça sert à rien, mais... Non, pas dans les pics. Je pense qu'il y a rien là. Ouais, non. Forcément, il y avait que Chi. Aïe, il y a mis des pics partout, mais c'est une catastrophe cet endroit. 0 sur 20 sur Pic Advisor. À l'aide. Mais... Oh, il y avait des pics sur la roue. Putain, mais je vois que dalle, je suis aveugle. Notre vénère au-dessus qui s'excite là. Aïe, aïe, aïe. Ce n'était pas prévu. Non, pas comme ça, Michel. Oh putain, c'est dur. C'est dur parce qu'il faut bien se placer à chaque fois en plus. Ah putain, c'est chaud. Ouais, t'as pas le droit à l'erreur, quoi. Si tu te plantes, tu te plantes, ouais. Ok, on va se mettre là. Ouais, c'est vraiment pas évident. Un peu de vie, peut-être.
Merci, merci. Merci beaucoup. Ok. Donc ça tourne, ça tourne. Tourne dans le ville, ville. Oh, mais c'est la dernière porte. Oh, je peux finir le donjon. Est-ce que vous croyez que c'est comme dans le premier et qu'il y aura une espèce de course-poursuite de folie à la fin? C'est quoi là-haut? J'ai vu un truc. Oh, j'ai vu une grosse bête. Aiguille de fer, tu as trouvé un nouvel objet de quête. Place-le dans l'eau pour qu'il pointe vers le nord. Parfait pour retrouver son chemin. Bien, très bien. Ok. Ma foi, pourquoi pas. Alors, par où doit-on aller? Moi, je me lâche dans le plus grand des calmes, comme si... Je crois qu'il y a encore un endroit que j'ai pas visité là-bas, mais... Bâtard. Va crever. Je vais quand même essayer de descendre pour voir. Ah oui, mais ça sert à aller chercher ça en fait. Ok. Bah, allons-y en fait. Hein. Je sais pas pourquoi j'y étais pas avant. Peut-être que je pouvais pas. Allez, let's go. Ça doit être par là, I suppose. Oh, c'est pas passé loin. Hein. Brasier géant de lumière spirituelle. Ah, on peut échanger ça direct contre des trucs. Oh, très bien. Merci, la vie. Un petit heal. Un petit heal. Allez, on se casse ici. Et on va essayer de monter. Continuer notre montée chauvage. Chauvage. Montée chômage, la fameuse. Ah, il y a encore le Venerman là. Tu vas te calmer. Hein. Tu vas te calmer tout de suite, Michel. Je n'accepterai pas ce genre de comportement dans mon gameplay. Hein. Oh là là, ça passe. Mais pour aller où, je ne sais pas. Mais ça passe. Bon, peut-être, pour l'instant, c'est peut-être pas par là qu'on doit aller. Peut-être que je m'enflamme un chouïa. Merde. Ah bah j'ai trouvé un truc, tiens. Ok. Non mais attendez. Tendez là. Aïe aïe aïe. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là, quel enfer. Ok, bah on est parti pour tout remonter hein, du coup. Merci beaucoup. Ah oui, d'accord. C'est parti mon kiki hein. Ok, le gorlec, le pote là on l'a déjà vu. Il faut qu'on monte encore plus haut nous. Plus haut, oui plus haut. Mon côté le soleil. C'était là? Je sais plus. Allons voir. Ah oui, c'était là, il y a le singe. Il y a une pote singe. D'accord. D'accord. Oh! Offert. Non, les gens étaient vrais, esprit! La bibliothèque de la source est là. Regarde cette montagne de savoir. Il y a autre chose dans les parages. Une présence fétide. Tu ne la sens pas? Elle a l'air de venir d'en haut. Je veux pas aller voir pendant que je consulte ces livres. Et bien sûr, si je suis là, si tu veux améliorer tes compétences. Bah oui, oui, oui. Allons-y, Bibi, améliorons les compétences.
Mais les sentinelles, je les utilise pas en vrai. C'est un peu gênant. Je pourrais prendre ça en vrai. Ça, ça m'a l'air bien. Ça a beaucoup d'énergie, mais en vrai. Por qué no? Sois prudent, esprit. Eh ben, on va essayer, mec. Hein. Je peux rien te promettre, mais. Comment on fait de nouveau pour. Oh, c'est quoi ça? Ah, c'est ça. Pour les spells, du coup. C'est ça la lance. Et on voit. Ah oui! Oh bah d'accord, oui, c'est efficace. Je pense que contre les boss, ça peut être pas mal en vrai. En vrai, ça peut être pas mal en vrai. Ok. Je ne peux pas encore grimper et marcher au plafond. C'est fort dommage. Ok, c'est la vraie eau, ça je peux aller dedans. Y'a quoi là? Minerai gourlec. Une graine mystérieuse. Il brille légèrement. Pas très bien. Bridon. Brigand. Un bon ton. Putain, ça sent le boss. Ah oui. Ah bah d'accord. Ah oui, bah oui, bah dans le plus grand des calmes quoi. Merci au fer. Oh, c'est bien ce besoin petit. Bon bah, va falloir courir hein. Oh oui, il a l'air très très fétide en effet. En avant vite. Eh ben d'accord. Je suis d'accord avec toi, je m'en vais. Toujours vers l'Orient. Aïe aïe les piques. Aïe aïe c'est... Non, je vais pas crever comme ça, non. Je refuse. Je refuse de mourir de cette manière. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Oh, j'adore ces scènes. Déjà dans le premier Ori, ça me... Oh putain. Déjà dans... J'arrive plus à parler. Je disais donc déjà dans le premier Ori, ça me fascinait. Ah oui, c'est vrai que je peux faire le truc avec ces lampes là. Oh mon dieu, la présence fétide. Elle est très fétide. Oh putain. Ah oui. Ah oui, donc on est... Il faut recommencer depuis le début. Yes. Plaisir ça. Non, par là, plus ou moins. Je suis pas très doué hein, aujourd'hui. Hein. Et vas-y, je te lâche des trucs sur la gueule. Non mais c'est incroyable. Tu t'es cru chez maman parce que t'es une présence fétide, quoi. Incroyable. Oh mais oh, what the fuck. J'avais pas la distance nécessaire pour... Ah! Quoi? Attendez. Il y a une couille dans le pâté là. Bon, allez, c'est bon là. Couille gothite. Hop, let's go. On se repose le pouce 2 secondes. Mais descends, Michel. Putain. Ok, ok, ok. Je continue. Hein. Putain, mais c'est trop dur. Là, il y a un truc qui est... Là, dans la... Là, il y a un truc que je comprends pas, en fait.
Ok. Hop, dans la petite roue. On fait deux petits tours et on saute et on ressort dehors. C'est vrai que j'oubliais que dans Ori, les boss sont pas vraiment des boss, c'est plus de la fuite. Fuite en avant. Putain, à chaque fois je me fais Ken ici. Alors, là on arrive sur le moment où je bug. Ok. Je pense que j'étais juste pas assez proche des torches. Oh, oh mon dieu, c'était tout juste. Wow, wow, wow. Là, je pense que le moulin fonctionne de nouveau. Bah voilà. Voilà une VOD correcte. Voilà une VOD pleine de contenu. Oh les moquis. Les moquis. Et le service à couler, elle est vive et claire. Et propre et lapide. Mais tu es très courageux. Oui, 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 c'est bon. J'ai trempé aussi. Et nous devons prévenir Qualoc, c'est un beau jour pour tous les marais. Eh bien d'accord, allons prévenir Qualoc. Voilà, tant de choses, on a de nouveau appris tant de spells. Bon, YouTube, oh, on va rater la VOD ici, ça fait 35 minutes, c'est parfait. C'est juste bien, on s'est tapé le moulin. On va aller revoir Qualoc. Des bisous. A tout de suite pour la suite.